Ben ouais, qui c'est qui a parti ça, ce feu-là? Ben nous! Mais on saura pas comment! Comment qu'on l'a parti? On a pris la canette de gaz et on l'a mis sur le feu. Pourquoi donc? Parce qu'il partait pas. Et on s'apprête à manger de la soupe lipidone et du spaghetti. Spaghetti fait par M. X Classico. Est-ce que ma soupe était à la veille d'être prête? Je sais pas. Hey, la marée a monté depuis tantôt. Tu penses qu'il y a de la marée ici? Ça va être beau, hein? On va entendre le petit bruit de l'eau pour dormir. Je vais essayer de monter la caméra dans le sentier demain. Je ne sais pas si je vais être capable. Ben, c'est parce que je pense qu'on va peut-être avoir besoin de nos mains pour... Et nous sommes allés au restaurant et nous avons rapporté ceci. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est vrai, on a pris ça au restaurant. Gros plan, s'il vous plaît. Mais là, dans le fond, c'est correct, ça. On l'a pété, comme ça. Ah, et voici mes nouvelles bottes de montagne. Oui, on va filmer ça, ces bottes de montagne-là. Oh, elles sont pas là, finalement. Demain, malheureusement, ils vont être pleines de vases. Ouais, c'est la vie. Je pense qu'il ne fera pas chaud ici cette nuit. C'est ben, on est filmé actuellement. La soupe n'est pas calcinée. Je vais aller m'ouvrir un magnifique vin. Un vin chilien, le Santa Rena. Excusez-moi. Excusez pour le bruit. Nous allons ouvrir cette excellente bouteille. Qui ne manquera pas de repaître nos sens. Alors, c'est l'inspiration du moment. Ce décor magnifique. Ce pays de Floride. J'avoue. Et voilà, je bois tout cela à votre santé. Excellent. Bon,
recommande le San Pereno à tous ceux qui aiment le bon vin. Château Ragout. 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 Ah, quelle merveilleuse température! Quelle vacances merveilleuses dans un froid sibérien! Ce n'est pas mon Italie natale, mais je suis si bien quand même. Alors, c'est assez. Et voici la chialeuse hors pair qui chiale qu'il y a une mouche dans sa soupe, qu'il y a une mouche sur ses couteaux, puis il y a une mouche sur sa table. Pas trop vite quand tu changes de sujet. Bonjour à vous, amis d'Amérique. Subir ça à 100 000 à l'heure. Ouais, mon drink. Allez, voici. Comment c'est de gorlo? Maintenant. Il y a une mouche ton verre. Et après? Le feu. C'est un coléoptère. Il n'est pas volé d'un autre. Il a volé d'un autre. C'est sûr, nous allons laver notre vaisselle, nous laver les mains, nous brosser les dents. Maintenant, on a de la vaisselle, on va aller la laver à nos enfants. Merveilleuse rivière. Maintenant, nous allons filmer les passants à leur insu. Penses-tu que... Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Ben non! Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que tu veux montrer à tout le monde la couleur des bobettes? Ben oui! Puis qu'est-ce... qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as à cacher? T'as un problème avec tes souliers? Non, parce qu'ils sont pas mis comme il faut, là. Je les avais détachés pour pouvoir enlever mes jeans. D'accord. On voit pas mes bobettes? Pas du tout, non. On voit absolument rien. C'est un joke, ça? Non, c'est un joke. Es-tu nerveuse avec ça? Oui. Pas point de vue un petit peu. Et si tu y raves? Ça, t'as l'air bizarre. Mais oui, mais je veux pas te chanter avec mes bas. D'accord. Quoi? Actuellement, j'ai des bottes de montagne, des leggings, des jeans, deux gilets à manches longues. Il me reste juste à mettre mon coton ouaté, mon manteau et mes gants. Ça va bien. Après moi, tu vas être assez habillé. Mais j'ai plus froid aux jambes. Moi, j'ai pensé à m'apporter des gants. Je félicite. Si j'ai froid aux oreilles, ben, je prendrai mon bandeau. Ou je mettrai mon capuchon. Ouais, mais c'est peut-être parce qu'il ne doit pas être sec tout à fait, ce feu, ce bois-là. Qu'est-ce que tu fais? Thank you.
perdu une sa tête. Bon, nous venons de nous lever. Voyons. Et hier soir, il n'y avait pas une seule feuille par terre et vous voyez les dégâts. Vous voyez notre feu aussi, qui a rapetissé quelque peu, comparé à celui-là d'hier. Et on va aller voir sur la table. Ben, regardez où je suis rendue. Et voici notre chef de groupe en train d'alimenter le feu. T'as pas l'air gelé du tout ce matin. Ben là, c'est moins pire depuis que j'ai mes jeans. On a fait un petit feu pour se réchauffer. Il pleut des feuilles. Il pleut des feuilles continuellement. Oui. Le soleil s'est levé sur la montagne. Oui. On attend juste qu'il se lève chez nous. J'aime le paysage. Le soleil s'est levé sur la Bécosse. OK. Comme vous pouvez le constater, la lavette n'est plus qu'un bloc de glace. Pas grave, on a du fun pareil. Hey, une chance que notre chef de groupe avait apporté de l'eau potable, parce que l'eau potable de la source là-bas est gelée. Mais comment se fait-il que celle dans la cruche ne le soit pas? Aucune idée. C'est pas de question, ça. Non, c'est pas trop. On va aller bien, peut-être.
peux aller voir s'il y a de l'eau potable?